le paludisme est une maladie assez complexe, liée au fait que le parasite, le plasmodium qui est responsable de la maladie, est un parasite complexe. C'est un parasite, par exemple, qui a 14 chromosomes. Vous voyez que le nombre de chromosomes est énorme, différemment, par exemple, d'un virus ou d'une bactérie. Vous avez vu qu'avec la COVID-19, nous sommes arrivés très rapidement à mettre au point un vaccin, parce que justement, ce n'est pas un parasite. Parce que si vous ne le savez pas, avant le vaccin RTSS, il n'existe aucun vaccin contre un parasite dans l'histoire de l'humanité. Cela fait qu'il est très difficile de mettre au point un vaccin contre le paludisme. Alors, pour cette raison, l'OMS avait défini dans les années 2000 des ambitions assez modestes de dire si on a déjà un vaccin avec l'objectif de protéger les enfants de moins de 5 ans à 50%. Ça veut dire que si on vaccinait 100 personnes et que 50 étaient déjà protégées et ne faisaient pas la maladie, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Et c'est à partir de cet objectif que les chercheurs ont commencé à mener leurs recherches pour atteindre justement ce but qui est de mettre au point un vaccin qui protège à 50%. C'est dans cette perspective que le vaccin RTSS, qui est aujourd'hui recommandé depuis 2021, a été élaboré et testé à travers 11 sites dans 7 pays africains. Et ce vaccin a démontré 57% d'efficacité sur une année. Et lorsque on part sur 4 ans, c'est autour de 39%. Alors, on s'est dit que c'est modeste, parce qu'un bon vaccin doit être autour de 90%. Mais vu que la maladie est complexe, on peut déjà avancer avec ce premier vaccin. Ensuite, l'OMS a dit, OK, comme on le dit dans notre langage au Burkina, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. On va avancer dans la recherche pour essayer d'atteindre un objectif plus ambitieux, qui est de proposer un vaccin qui peut protéger à 75% à l'horizon 2030. Non, ça dépend. Ils doivent collecter pendant combien de temps? L'Université d'Oxford nous a approchés en 2018 pour discuter et voir dans quelle mesure on pouvait collaborer pour travailler sur une version de RTSS modifiée. Parce que la chose qu'ils nous ont dit, c'est que RTSS donne autour de 30% d'efficacité. Nous pensons, et nous avons fait des recherches à Oxford, qu'en améliorant cette protéine, on peut produire une meilleure efficacité, une meilleure immunogénicité. Et c'est ainsi que, au vu de l'expérience que nous avons avec RTSS, et au vu de notre expertise dans le domaine des essais cliniques, ils ont proposé qu'on établisse ce partenariat. Et ce partenariat a été établi et grâce à un financement de l'Union européenne. Nous avons pu tester cette protéine qu'ils ont synthétisée justement à l'Université d'Oxford, qui est une version améliorée de RTSS. Et c'est ainsi que nous avons entamé la phase 2 ensemble, parce qu'ils avaient déjà fait les phases antérieures à Oxford pour l'essentiel. Et cette phase 2, qui a fait un boom mondial, qui a démontré une efficacité de 77%, qui a permis justement d'avancer dans les négociations avec l'Institut de Sérum d'Inde, qui a été identifié comme le partenaire commercial qui va se charger de la production et de la commercialisation de ce vaccin. Et donc c'est l'Institut de Sérum d'Inde qui a financé entièrement cette phase 3 en cours, qui implique en plus du Burkina Faso, le Kenya, la Tanzanie et le Mali. Pourquoi cela? Parce que vous savez qu'en fonction des zones où vous vous trouvez, il y a une variabilité dans le parasite. On a marqué ici le projet avec les différents éléments R21. Vous voyez que c'est écrit R21, Matrix M, Rabivax. Donc ça, c'est la salle de stockage des vaccins dans tous ces frigos-là. Puis là, c'est des médicaments qu'on utilise dans le cadre des essais cliniques. Notre approche de recherche en nanoro est une approche intégrée, une approche participative. Vous allez voir que nous sommes très ancrés au niveau des communautés. Et cela crée quand même une certaine confiance. Et comme je l'ai dit, le processus des essais cliniques, c'est un processus très prudent. Vous voyez qu'on ne commence pas directement à donner les produits aux enfants. On commence d'abord chez les animaux, après chez les adultes, avant d'arriver. Donc il y a tout un grand nombre de précautions qu'on prend qui assurent justement qu'au moment où on donne les produits aux enfants, il y a très peu de risques que ce produit puisse causer des dommages à ces enfants. Pour qu'un enfant puisse faire partie d'un essai clinique, il faudrait que les parents puissent donner ce qu'on appelle un consentement éclairé. Après, le protocole nous décrit quels sont les critères d'inclusion
c'est-à-dire les critères qu'on doit forcément, qu'un enfant doit forcément respecter pour pouvoir faire partie de l'étude, et les critères de non-inclusion, c'est-à-dire les critères, s'ils sont là, on ne doit pas inclure ces enfants dans l'étude. Donc, on fait toute cette sélection, et si l'enfant franchit l'étape de la sélection, en ce moment, on dira que l'enfant est apte à être inclus jusqu'au jour où il va recevoir la première dose de vaccin. Tout enfant qui reçoit la première dose du vaccin est considéré comme inclus dans l'étude et sera suivi jusqu'à la fin de l'étude. Quand les évaluateurs vont prendre, ils vont dire, vous avez prévu de faire ça. Est-ce que ça a été fait? Où sont les résultats? Où sont les publications? Des choses comme ça. Donc, il faut que tu choisisses deux thèmes qui vont nous permettre de répondre à la question de recherche prévue par le projet sur le volet en commun. Dans le cas de la COVID-19, c'était un scandale sanitaire mondial. C'était vraiment une pandémie avec beaucoup de décès. Vous voyez que la communauté internationale était capable de mobiliser des milliards d'euros pour initier des recherches à une vitesse jamais égalée, pour mettre au point des vaccins en une année et les utiliser en même temps. Alors, nous, on s'est posé la question. Quand on prend le Burkina Faso, la COVID-19 a tué moins de 500 personnes. Le paludisme tue chaque année au Burkina Faso environ 5000 personnes. Vous voyez qu'il n'y a pas photo. On s'est dit, mais pourquoi, pour une maladie qui tue moins de 500 personnes en 2 ans, en 3 ans, parce que si on totalise toute la durée du COVID-19, on n'a pas dépassé 500 décès au Burkina, en tout cas officiellement, pourquoi on peut mettre un vaccin au point en une année et l'utiliser, même si c'est une utilisation temporaire, et pour une maladie qui tue 5000, on prend tout le temps. C'est ce qui fait que nous, on s'est dit avec les résultats de la phase 2, 77% d'efficacité. Après une année de mise en œuvre de la phase 3 en cours, on pouvait solliciter de l'OMS une recommandation pour l'utilisation de ce vaccin, même temporaire, en attendant qu'on termine le processus de l'essai clinique qui est toujours en cours.
L'Organisation mondiale de la santé a donné son feu vert le lundi 2 octobre pour l'utilisation du vaccin R21 matrixé M. Le directeur général a présenté ce nouveau vaccin comme un grand pas dans la lutte contre le paludisme. Un sentiment de grande satisfaction, et également de fierté pour le Burkina, mon pays, parce que le Burkina a une image un peu triste quand on est à l'extérieur, parce que c'est le djihadisme, c'est les attaques, c'est les PDI, etc. Mais de dire que dans ce contexte, il y a des chercheurs qui arrivent à sortir des résultats qui peuvent impacter sur la politique sanitaire mondiale, c'est quelque chose dont nous devons être fiers. Lorsque vous testez un produit, vous menez la recherche et que vous retrouvez un jour ce produit dans les rayons de pharmacie ou dans le programme élargi de vaccination, protéger des enfants, vous direz que vous avez marqué votre passage sur Terre en tant que chercheur. Parce que ce qu'un chercheur souhaite, c'est de trouver et de mettre à disposition des populations des données qui peuvent permettre de changer leur quotidien, de changer leur état de santé. Et donc, vous pouvez imaginer que je suis très heureux aujourd'hui et comme je le dis, si je dois prendre ma retraite aujourd'hui, j'irai très heureux et très satisfait parce que non seulement cette recherche va forcément avoir un changement dans l'histoire du paludisme, parce que si ce vaccin est déployé, vous allez voir une chute énorme du nombre de cas de paludisme et surtout le nombre de décès, parce que ça me fait mal au cœur de voir des enfants mourir à cause du paludisme.